begin after 8 taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en forme de coup de gueule. Et oui, c'est mon premier coup de gueule. Je suis tombé sur un truc qui m'a gravement énervé, surtout qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte au début. C'est après coup, en regardant, que je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Alors, je vous pose rapidement le topo. L'année dernière, pendant le festival de Yule, dans les petits cadeaux qu'on reçoit quand on fait les quêtes quotidiennes, je suis tombé sur un super cadeau, j'étais super content de l'avoir. Il s'agit d'une monture exclusive qui n'a pas l'air très courante, puisque je vois peu de gens avec. Et je m'étais toujours demandé pourquoi est-ce qu'elle plaisait à aussi peu de gens, surtout que moi je la trouvais quand même vachement sympa. Puis bon, j'avais fini par la ranger dans un coin, et je la ressors aujourd'hui. Et là, grosse surprise, en fait ils ont complètement modifié le truc. La monture, ils l'ont complètement bousillée, et je vois pas trop bien pourquoi. Et c'est con, parce que c'est un super cheval de bois. Alors pour être honnête, elle me faisait trop kiffer. Je sais bien, c'est pas du tout l'ambiance sérieuse entre guillemets du Seigneur des Anneaux, mais je trouvais ça, je sais pas, bien fait, un peu pouillon, sans trop l'être, assez sympa quoi. Alors je me dis que je vais me remettre à l'utiliser pour le fun. Je monte dessus et puis bam, désarçonné. Avec le message, cette monture est interdite dans cette zone. Mais c'est un cheval de bois, mec. Il est interdit dans la zone, quoi. Tu sais, il y a les mecs, il y a les sergents de la garde qui te regardent passer, là, et puis, s'ils te voient sur un cheval de bois, tu te fais siffler, tu te fais arrêter, direct on tôle. Ah, yep. Excusez-moi, monsieur, mais ce cheval de bois n'est pas réglementaire. Alors du coup, ton cheval, il marche cabré. Dès que tu sors de bray, c'est mort, tu te fais désarçonner, t'as pas le droit, le cheval est interdit dans la zone. Alors moi, je veux bien qu'on me dise que, voilà, c'est trop ridicule, c'est background, tout ça, Tolkien, il parlait pas dans ses bouquins des chevaux en bois, ok, c'est sûr. Mais alors dans ce cas, pourquoi on peut l'utiliser à Bray? Et quoi, Bray, c'est quand même le cénacle du roleplay, tu vois, c'est là que tout se passe. Mais là, t'as le droit de passer avec ton cheval, tu vois, t'as le droit de péter le roleplay de tout le monde dans Bray. Par contre, à l'extérieur, là où tu bâches tes monstres en boucle, alors là, faut être un minimum sérieux, quoi. Alors je me suis dit, tant qu'à pousser le bouchon, poussons le bouchon un peu loin, examinons un peu où est-ce qu'on a droit de se balader en cheval en bois, et où est-ce que c'est formellement interdit. Bon alors, voilà le résultat, Rohan West, c'est interdit. Voilà, les Rohirrim, ils aiment pas que tu te foutes de leur gueule sur un petit cheval en bois. Foncombe, c'est interdit, ouais, non mais dedans, dehors, partout, voilà. Elrond, il veut pas, tu vois, Elrond, l'anneau doit être détruit, et le prochain que je vois qui se balade en Foncombe avec un cheval en bois, je lui démonte sa gueule. Alors de ce côté-là, les nains ont été vachement plus cool. C'est-à-dire que devant le palais de Thorin, t'as pas le droit d'être sur un cheval en bois. Faut pas déconner. Bon, par contre, dans le palais de Thorin, ça va. Tu peux courir dans les allées sur ton cheval en bois, il n'y a pas de souci. On comprend, on est un peuple notoirement compréhensif. On est des nains. C'est pas comme chez les elfes, parce que à Kelondim, t'as pas le droit. Et alors là, la surprise de l'année, à Galtreff, tu peux. Tu peux te balader à cheval au milieu des hommes du pays de Dain. Eux, ils sont super contents, enfin, ou alors ils s'en foutent. Mais en tout cas, ils te laissent faire, et ça, c'est un pur bonheur. Alors, je me suis dit, ouais, tu vas voir, tu vas sortir de la ville, bim, tu vas être désarçonné. Et je sors de la ville, et non, je suis dans les champs, et je gambade au milieu des ennemis. Ils s'en foutent. Là, je rentre dans le camp des bûcherons, ils s'en foutent. Et je cours au milieu des loups, et tout le monde s'en cogne, c'est un pur bonheur. Et puis, je me fais désarçonner. J'en ai marre. Faut quand même savoir qu'en plus, à l'époque où ils l'ont sorti, je m'en souviens encore, la monture, elle était quand même en boutique à 1995 points turbine. Alors moi j'ai eu du bol, je l'ai eu dans un sac. Mais imaginez les gars qui l'ont payé la peau du cul et qui héritent d'une monture qui ne marche qu'à Bray, à Galtreve et dans le palais de Thorin. Et encore, ils ont eu la décence de la retirer du magasin. Bon, parce qu'ils auraient pu continuer à la vendre, tu vois. Genre, achète le super cheval en bois. Vas-y, s'il te plaît, achète-le, s'il te plaît. Et pour finir, histoire de bien niquer ceux qui avaient pu l'avoir avant, puisqu'ils l'ont pas retiré, hein, moi j'ai encore dans mon panneau de compétences, ils ont réduit sa vitesse, qui était à 62%, à 40%. Ce qui en fait la monture la plus lente et la plus inutile du jeu. Pourquoi? C'est de la méchanceté? C'est...
Je sais pas. Il y a un sadique qui bossait turbine, qui a regardé le projet, qui s'est dit si je baissais la vitesse histoire que ça soit encore plus lent que les autres. Et voilà un concept fun qui s'est retrouvé sabordé pour de mystérieuses raisons, alors que des trucs tout aussi, voire plus débiles, comme par exemple les costumes en forme de gâteau sur la tête, ou en forme de paquet cadeau. Je veux dire, si vraiment on fait la course aux trucs débiles, il y a des trucs qui passent quand même bien devant le cheval en bois. Était-il vraiment nécessaire de percer un trou dans la coque et de le regarder couler? À ce moment-là, fallait l'enlever et rembourser les gens qui l'avaient acheté. Le truc est tellement passé discret et a tellement vite disparu que si vous faites des recherches sur Google Images, vous en chiez pour trouver les photos de cette monture-là.